Bonjour à tous, nous voici repartis pour une petite, enfin pour la suite des aventures de Bioshock de Blackbird. Oh yeah. T'es ready? Toujours. Alors, est-ce que tu te rappelles où est-ce que tu en étais? Ouais, je voulais tuer des méchants. Le professeur Adam, c'est juste? Non. Non, Ryan, c'était bon, ça te suivait. Ouais. Entre temps, je dois... Je vois que le début est toujours assez difficile, hein. Je sors du lit, comme d'hab. À 18h. Toujours. Ah ouais, tu te souviens de cette salle? Oui, ah ouais. Comment oublier? Je me suis fait électrocuter par un bouquin, quoi. Ok. Ah ouais, bah voilà. C'était juste pour démontrer comment je m'étais fait électrocuter. T'es sérieux? T'as perdu de la vie, là? T'étais non. Full vie, non? Non. Tu mens. Mais je t'ai déjà dit, il faut pas grab les fléchettes, il faut grab un objet pour passer sur les fléchettes. C'est exactement ce que j'ai fait, je t'assure. Alors, ouais, c'est ça, là, elle te ramène. Exactement, donc je voulais voir où j'en étais. Je le vois plus. Ah ouais, d'accord. Si, il est dans l'ombre. C'est comme si tu le voyais pas, c'est pareil. Il a fait un move, il a bien straffé quoi, franchement faut... Il était immobile. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il était bon, donc... Mais en fait, voilà ce que je veux dire, c'est... Prends un objet... Ouais, mais attends... Parce que à chaque fois pas un truc à oxygène si possible, voilà, ça... À chaque fois et que je... tu passes sur la ligne. Avec l'objet, pas avec ta main. Tu paries que ça va m'électrocuter? Mais parce que... Non. Juste l'objet, tu prends... Oui, bah vas-y. Regarde. Vas-y. Comme ça. Voilà. Ça marche pas tout le temps. Ça marche pas. Ça marche tout le temps, c'est toi qui... Là tu t'es fait électrocuter la main. Et là t'as... Voilà, en grabant les trucs, là le courant il va passer sur toi. Parce que tu vois la ligne elle va être tirée sur... elle va être déplacée sur toi en fait. Ouais, ça c'est aussi notre technique. Un peu plus bourrine. Ouais. La mitrailleuse. Hein. Exactement, on m'appelle Al Capone. Maintenant il faut juste que je trouve des munitions. Je sais ce que tu dois faire dans cette salle. Je viens de capter. Je dois foutre le feu. Il y a tellement de kérosène à disposition que... Non. Yay. Interrupteur bizarre. Ça annonce rien de bon. Je pense que c'est... Ah ouais. Les conseils à l'offuneur. Palapapa. Non mais interrupteur bizarre. Enfin dans ma tête c'est censé ouvrir la porte quoi. Mais what? C'était pas là avant. Bah non, c'est ton interrupteur bizarre. Merci. Ah, parce que t'as appuyé sur le mauvais bouton, il y a deux boutons. Non, mais attends, maintenant il faut réfléchir quand j'appuie sur un bouton quoi. Bah. Et tu veux lui faire. Mais je ouais. Je vais envoyer un cendrier dans la tête. Non, mais j'ai... Par contre, j'ai plus le pouvoir d'électricité, c'est normal. Si, c'est le 6. Ah ouais, parce qu'il est en plus maintenant. Ouais. Je suis tellement balèze que. T'as vu, il fait de l'électricité en clé de doigt maintenant. Par contre, je sais pas comment tu vas faire pour... Pour... Pas mal, respect. Interrupteur bizarre, genre il y a deux boutons. Non, il y a un bouton, j'ai activé. Pourquoi la porte s'ouvre pas, je capte pas. Ah bah voilà, c'est... Ah voilà, tu vois, je l'ai dit, la fenêtre elle sert. Voilà. Attends, non, il y a eu un piège là. Bah c'est des pièges. Oui mais attends, il était pas là avant. Pourquoi il était pas là? Bah, je suis passé 3 fois par ce chemin. Du coup, là, tu as tous les éléments pour la bombe, hein. Exactement, je me dirige donc vers la bombe qui est indiquée par la flèche, normalement. Et tu sais à quoi elle va te servir, hein. Oui, à atteindre Anna. Ça, je vais désactiver tous les... C'est quoi, les générateurs, c'est ça? T'es une cause perdue. T'es une cause perdue, mec. Mais oui, c'est une bombe IEM, donc ça va créer un champ électromagnétique qui va ensuite désactiver les générateurs. Mais c'est pas pour Anna, c'est pour Andrew Ryan. Parce qu'en fait... Ouais, non, je vais rien dire. Je te spoilerai après. Elle est où ma tourelle déjà? Dans la salle d'avant. Ici, hein? Ouais. Ah! C'est parti! Ah bah tu vois, il tourne 360 degrés. Mais il est pas sur toi là, il est sur la tourelle. Maintenant il va être sur toi.
lequel c'est calculé. T'as plus de trousse de soins. Ah, pas con. J'avais oublié ça. Et c'est pris la dernière mine. Je pense. Ah non, c'est, il m'a dit stunt. Ouais. Voilà, là, il se... Putain, patate qui t'a mis. C'est le stunt l'électricité et puis ah mais je suis low HP hein, ça rigole pas si tu te prends une baffe ou deux je pense que tu y passes. Allez commande bien petit, je pense que tu peux le tirer à travers. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Et oui en fait t'avais pas besoin de par contre les carreaux ne passent pas, ça c'est dommage. C'est pas grave. Je vais refaire la même clète. C'est ce que vous aimez. En mode badass. Jésus, je le sais. Vas-y, vas-y. Ouh, olé. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Olé. Oui, et mémoire. Ouais. Je suis le grand Blackbird. Voilà, la bombe est prête. Yay. Ah, puis c'est l'argent que tu as foutu dans ta poche. Je suis riche. Ah, et puis en plus que t'as amélioré ta mitrailleuse. Hein. C'est là que le plan machiavélique se met en place. Ah, puis là, t'as le shop. Mais tu vas pas pirater. Je vais le pirater d'abord. Parce que maintenant, je suis un pro en piratage. C'est quand on commence à se dire qu'on est un pro qu'on commence à... Voilà. Aïe. C'est risqué ce que tu fais, ouais, mec, ouais. J'anticipe un peu de choisir le chemin. Ah voilà. Non, voilà. Non, voilà. Voilà. C'est risqué de choisir le chemin avant de le voir. Effectivement. Bon, ça va, ça fait... T'as pas tombé sur un truc qui renvoie les robots. Non, bah non. Et du coup, tu t'en fous. Tu retailles pas. Exactement. Non, non, tu vois, on a le droit de faire une erreur. Mais faire deux fois la même erreur, c'est être con. Alors, je prends pas le risque d'être con. Mais. Non, mais. Non. Non, aucune logique. 8 balles. Parce que je suis gentil. Putain, pourquoi il t'a. Attends, mais il m'a foutu les boules. Mais t'as pas attaqué, il était pas rouge. Ouais, mais bon. Peut-être dans le stress, les études prouvent qu'on devient un peu plus daltonien. Ah, ma jambe. T'as paniqué. Ah, plus que ça, là, c'est plus de la panique. Non, t'inquiète, là, il est chez moi, je te dis. Ouais, 45-44 secondes, il va se faire tuer avec les... Ramenez vers... La caméra. Ouais. Je crois bon. Qu'il est... Allez, comment. Eh, petit con, je suis là. Je crois qu'il va aller sur la plaque de feu. Bien sûr. Ah ouais. Faudrait que quand même il meure un de ces quatre là. Ah, il a beaucoup. Tiens, je sais même pas sur quoi il est. Ah non, il a fait stunt, le stunt. Je suis là, Coco, je suis là. Eh, sauve les cam. Hop là, toi tu vas sauter au-dessus des escaliers. Hein. Non. Moi je suis un Yamakasi. Ah. Caméra. Ah, il a cassé la caméra. Caméra. Non. Il l'a pas cassé. Regarde, il y a plus de lumière blanche par terre. Oh bah la lumière blanche, je vais bientôt la voir. Hein. Soigne-toi. J'arrive soigne-toi, pas. Soigne-toi. Allez. Non, attends, mais c'était quoi là. Il m'a trop stunt là. Ouais, il t'a bloqué contre le mur et tout. Mais... T'as body block. Ça, à la boxe, c'est interdit quoi. Du coup, t'es mort. J'ai TP stratégiquement dans ma base de secondaire. Et il t'a cassé la caméra en plus. Tout ça parce que tu l'as attaqué en panique. La plupart des guerres commencent comme ça. Une attaque en panique. Je me sens pas du tout. Ouh, comme tu l'as esquivé. Ah, j'ai plus de carreaux en fait. J'ai plus de carreaux, tu prends du pic. Oh ouais, yeah. Ouais, je suis moyen convaincu sur celle-ci.